of secret nine, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Alors pour cette recette, vous avez besoin d'un bon gigot d'agneau bien frais. Moi, j'ai acheté le mien à Asda, qui est un magasin ici en Angleterre. Et pour la marinade, vous avez besoin de l'ail, de l'oignon et du ginger. Et bien sûr, un peu de condiment vert. Donc voilà mon gigot d'agneau que je venais de ramener du supermarché. Je l'ai eu à 14,99 €. Et maintenant, ma fille aînée va apprêter la marinade parce que c'est elle qui est chargée de faire ça ici à la maison. Donc elle va éplucher le ail, l'oignon, le ginger et un peu de condiment vert qu'elle va ensuite écraser. Je vais utiliser une partie pour assaisonner mon gigot et bien sûr, je vais conserver le reste dans le frigo. On a déjà bien lavé notre gigot d'agneau. Ok, Daniel a écrasé les condiments. Là, on a tout ce qu'on va utiliser pour saler, le jumbo, le cube, le sel. Ici, on a nos œufs. On a notre rosemary là qui vient du jardin, tellement frais. Smells so good, right guys? On a notre spring onion here, parsley here, et le citron. J'ai utilisé le citron, une partie pour laver le leg, le gigot d'agneau, et on va utiliser le reste pour assaisonner. Voilà. So, voilà notre gigot d'agneau. Ce qu'on va faire, on va d'abord apprêter les épices. Je vais mettre nos herbes. Rose, je sais pas comment on appelle ça, dites-moi ça en commentaire. C'est rose mérino. Ah, mm-hmm. Je call this thing. Et le sel. Sinon, on va crunch. Vous connaissez déjà, l'épice passe partout, le secret. Je mets une cuillère. Dans mon pinky, voilà. On va mélanger les fers. Yeah. On a oublié, on va mettre un peu de juice, un tout petit peu. Voilà, on va laisser la première saison. Voilà. On va prendre notre assaisonnement d'épices ici, là. Ok, on va faire. Voilà. Je vais d'abord bien masser, faire entrer les condiments à l'intérieur. Voilà. Là, notre gigot ne sera pas juste assaisonné à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On va retourner. Ça, on n'était pas bon, juste là. On va refaire la même chose. Ça peut coucou une chose. Voilà. On a fini avec les épices. Maintenant, on va passer au condiment. Le ail, l'oignon, le ginger. Il y a un peu de spring onion. On fait passer ça bien à l'intérieur. Bien à l'intérieur, comme ça. On retourne. Voilà,
être généreuse avec la sauce. Voilà. Quand vous faites de la marinade, n'oubliez jamais de mettre un peu de citron. Ça rehausse le goût, juste un tout petit peu. Pas beaucoup. Quand mes filles vont grandir, qu'elles vont vivre seules. Elles vont aller regarder mes vidéos. T'as vu du pain mon mieux. Ouais, un truc que maman faisait, elle était bon, hein. Les spring onions. You just licked it from à l'intérieur. Comme ça. Dans les fentes. Quand ça va cuire avec le goût. Tout ça là-dedans. Quand le coquin me donne testing de fruit, je vais juste mettre ceci là au milieu comme ça. Et voilà, l'assaisonnement de notre gigot est prêt. Il est vraiment très important d'assaisonner votre gigot et de laisser mariner au moins pendant 4 heures de temps. Moi, dans mon cas, je vais laisser ça au frigo, comme ça. Vous savez, l'oignon rouge, un peu plus cher, c'est vrai, mais ça apporte beaucoup de goût à la nourriture. On va rajouter un peu d'oignon rouge de part et d'autre, comme ça. Quand notre gigot va cuire avec tout ce mélange là, le goût. Donc dans mon cas, moi j'avais assaisonné mon gigot la veille, je l'ai laissé mariner toute la nuit au frigo et puis le lendemain j'ai tout simplement mis mon gigot dans le four et j'ai laissé cuire pendant, je dirais, 30 à 45 minutes à 180 degrés. Donc je vous conseille de faire pareil. Si vous comptez faire le gigot par exemple pour les fêtes de Pâques, faites-le la veille, le samedi soir. Laissez vraiment mariner dans le frigo toute la nuit. Cela va vraiment permettre à l'assaisonnement de pénétrer dans la chair. Et le lendemain, tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre au four et laisser cuire pendant 30 à 45 minutes à 180 degrés. Et là, votre gigot sera prêt pour le dîner ou le repas de Pâques. Franchement, le gigot pour moi, c'est un de mes repas que j'adore cuisiner lors des occasions spéciales telles que Noël, Bonne Année ou bien Pâques. Je trouve qu'un bon gigot d'agneau bien rôti présente très bien sur une table. Après 10 heures au frigo et 45 minutes au four, je vous montre à quoi ressemblait mon gigot. Mon gigot, il était bien assaisonné, il avait bien rôti, il était prêt à servir. Alors ce gigot, je l'ai fait pendant les fêtes de Noël. J'avais aussi cuisiné du ndolé, j'avais un peu de miandon, un peu de potato wedges. Voilà, et j'étais en train de dresser ma table de Noël. Beaucoup de gens m'ont demandé sur Instagram, Tati, on veut la recette. Voilà, la recette est finalement disponible 3 mois après, mais c'est pas grave. Voilà, donc pour accompagner mon gigot, j'ai fait des rôtis, des pommes au four. On appelle ça des potato wedges au four. Je le fais avec un peu de beurre. C'est très, très, très bon. Simple, mais vraiment très, très, très délicieux. Donc, c'est ça que j'avais prévu pour accompagner mon gigot. Bien sûr, vous pouvez aussi le manger avec du miandon ou à côté de votre ndolé. Donc là, je vais dresser la table. Voilà, je vous donne aussi des idées, hein. Vous pouvez tout simplement reproduire le même menu pour votre repas de Pâques ce dimanche si vous êtes en cours d'inspiration. Nous n'avons rien de prévu pour ce dimanche de Pâques. Je sais qu'on ira à l'église, on va pouvoir célébrer là-bas et puis après ça, je crois qu'on ira manger dans un restaurant parce que franchement, Tati est fatiguée. J'ai pas envie de cuisiner, franchement, je suis épuisée, le travail et tout, j'ai vraiment pas envie de cuisiner, j'ai juste envie d'aller m'asseoir dans un restaurant et me faire servir, manger la nourriture que quelqu'un d'autre a cuisiné.
Voilà, donc voilà ma table. On avait le ndolé. J'ai déjà une recette de ndolé disponible sur ma chaîne YouTube. On avait un peu de salade, du piment, du miondo, le gigot. Voilà, assez pour nourrir toute la famille et rendre tout le monde heureux. Alors, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le repas de Pâques ce dimanche? Est-ce que vous allez cuisiner? Est-ce que vous partez manger en famille? Mettez-moi un peu ça en commentaire. Et peut-être si vous partagez vos différents menus pour le repas de Pâques, peut-être cela pourra m'inspirer et me donner envie de cuisiner. Mais bon, en attendant, je n'ai pas du tout l'intention de cuisiner. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la recette, franchement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous essayez la recette, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah!